Salut les astros. Alors voilà, on va faire du bricolage aujourd'hui. Bricolage 3D. Ben écoutez, je vais me faire un petit télescope. Regardez-moi ça. Alors là, on est sur la chaîne de Fatalik. Donc c'est un télescope Dobson 8 pouces, 203 mm, qu'il a fait en 2017. Donc ça date déjà depuis... ça fait déjà un petit moment qu'il l'a fait. Et j'avais repéré ça sur YouTube. Et franchement, c'est pas mal. Hein. Regardez ça. Donc un petit berceau, une caisse qui se ferme. Hein. Donc il y a des charnières, hein, de petits volets qui s'ouvrent pour ouvrir le miroir. Et bien, voilà, j'en veux. Hein. Des tubes. Des tubes alu, c'est hyper rapide à monter hein, quand même hein, ce genre de choses. Donc, je vous laisse les fichiers en .slt hein, si vous voulez imprimer le projet, ils sont en lien sous la vidéo dans la zone commentaire. Donc là, il a assemblé la base. Maintenant, assemblage du secondaire avec le porte-oculaire. Voilà, il suffit juste de bien caler les tubes. Donc le projet, c'est un 203 par 1000. Donc en miroir. Parabolique, mais c'est quand même vachement cher. Donc moi je vais prendre un 203 800. Donc je vais devoir raccourcir les tubes un petit peu hein. Et puis ce sera du sphérique. Ce sera un petit peu moins bien, mais bon, ce sera toujours temps de changer plus tard. Voilà, alors c'est parti, on va mettre à contribution l'imprimante Creality Ender 3. Donc là, je vais commencer par imprimer le support de contrepoids. Voilà, donc c'est cette pièce-là qui se trouve au cul du télescope. Hein. Ça va permettre de mettre un petit contrepoids type poids d'haltère de chez Decathlon. Voilà, maintenant je vais imprimer l'arceau. Donc c'est une arche berceau. Donc elle est en trois pièces. Donc chacune des pièces, il faudra le faire deux fois parce qu'il y a le côté droit et le côté gauche, forcément. Donc là on est sur un remplissage à 20% en structure de nid d'abeille. Donc le nid d'abeille, ce qui est bien, c'est que ça permet de faire des structures légères mais hyper résistantes. Hein. Il n'y a pas mieux au niveau de la structure. Voilà donc la pièce terminée. Donc on est sur ce côté-là de l'arche berceau. Donc il y a trois morceaux. Hein. Donc le premier, donc je l'imprimerai deux fois. Donc, petite astuce de la laque coiffante. Sur le plateau, hein, donc on appelle ça le bed, enfin le lit, ça permet de fixer le plastique pour pas qu'il se décolle, mais en tout cas les premières couches, parce que c'est une imprimante premier prix, c'est une imprimante qui n'est pas fermée, elle est ouverte, donc il y a beaucoup de contraintes au niveau température, puisque on n'est pas sur une imprimante close qui va garder la chaleur, donc ça risque de... le plastique va se refroidir au niveau de la base. Au fur et à mesure qu'on va monter la pièce, ça va se refroidir, ça va se décoller. Donc la laque permet de fixer. Donc voilà, on a fait la pièce numéro 2, maintenant on passe à la pièce numéro 3. Voilà, donc c'est des heures hein, d'impression quand même. Voilà qui est fait, la troisième partie.
Donc voilà ce que ça donne une fois. Moi je vais faire un pseudo-assemblage. Hein. Voilà. Et ben voilà, à bientôt. Étonnant, non?